Salut tout le monde, ici Deadcake. En fait, la semaine passée plutôt, on a fini la saison 1 de Walking Dead. Cette semaine, avant de commencer la saison 2, je me suis dit que ça serait le fun qu'on fasse la campagne de Black Ops WW2. Donc, on va partir ça maintenant. Avec une grande férocité, la machine de guerre d'Hitler a lancé son attaque contre l'Europe de l'Ouest, qui est au bord du gouffre. Tandis que des jours sombres se préparent, nous devons rassembler nos forces pour lutter contre l'oppression. Affronter les nazis sera la plus grande épreuve jamais traversée, mais avec nos alliés, nous devons la traverser ensemble. Donc, j'ai acheté le jeu il y a quelques jours. J'ai jamais fait la campagne. J'ai pas vraiment joué avec encore. Je me suis dit que ça serait parfait pour une nouvelle série, qu'on l'explore ensemble. This day is set upon a mighty endeavor. A struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons. Pride of our nation. Lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Donc, notre série Walking Dead, je vais définitivement faire la saison 2 et tout. C'est le 6 juin 1944. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Ok, comme je disais, notre série Walking Dead est pas finie. Je vais et mettre là, la suite, c'est montre, sûr. Moi, je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre, celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là, je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé, mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussman la première semaine, mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Stiles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent. Sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran. Mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Catherine. Zussman, 3 fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussman. D'accord. Ça marche. Ah, oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh! Briefing à 18h, on est en retard! Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer, qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Sussman. En marche! Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels.
Ok. Un autre vidéo. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vainquons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach, Johnson, avant notre match de Thanksgiving contre Austin. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Et si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. Okay. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir t'attendre qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous enterrez pas sur la plage. Vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous. En toutes circonstances et partout. Ça va être leur fête, les gars. Georgie. Donc, ça commence pile en plein débarquement en Normandie, c'est non, génial. Tu devrais. Daniel, je dis peu. Bien sûr. Faut que je peux me baisser plus que ça. On va devoir décrocher. Non, la mission avant tout. C'est nous débarquer. On a plus qu'à rêver. Tu en train de les refaire. Ordre du lieutenant, en avant. Attention. Oh. Accrochez-vous. Ah, ok, ça commence définitivement pas tranquille. Putain de merde! 200 mètres! 20 secondes! Suis le plan! Va vers la digue! Comme les jeunes, James, je fais une bonne galère sous ces barbelés! Allez! Tenez-vous prêts! C'est parti! Baissez la rampe! On a un découvert! C'est bien l'ordre, nom de Dieu! La rampe! Ok. Bunker. Daniels, souviens-toi de ton entraînement. Ramasse-moi ce pétard. On ramasse les 10 pétards. Tu peux le faire. Oui, chef.
Dieu! On y est presque. Ok. Tire. Okay. Ça va exploser. Allez. Préparez. Ça c'était spécial. On y va. Sale blessure! Tiens, utilise ça! Merci, l'ami! Alors, j'essaie de me baisser tout le temps avec la mauvaise. Ok! C'est parti! Souvenir trouvé, on a un souvenir. Signal la zone de l'artillerie! Tout est correct, on va gagner la guerre. On a ramassé un souvenir. Tantôt ils nous disent d'aller avec Zussman. Mais je le vois pas vraiment dans le coin. Wow. Je pensais qu'il était mort. Ok, ça c'est Zussman. Par ici! Oh, je peux y quitter des trousses de soins, c'est nice.
Ok. Et dehors ! Tout le monde dehors ! Le bunker est nettoyé ! Oh, je m'en ai tiré dessus. Une chance que ça m'a pas laissé faire une connerie. Celui-là. C'est où qu'il faut qu'on aille? Passe au bunker suivant! Ouais, mais où ça? Hein? Ok. J'essaie de voir. Je saute pas dans le trou ici. Zeusman. Ok. You, le bunker suivant. Oh, le chemin ici s'est ouvert, ok. Les mitrailleuses balayent encore la plage! Jake, oh! Tu vas bien? Je vais mieux, merci! Faut qu'on atteigne ces bunkers! Sans pitié en pleine face, ça passe et proche. Ok, c'est le bloc qui est par ici. Oh, une munition. Il me faut cette trousse de secours. Hop. Ok. Oh. L'artillerie vise la plage. La prochaine vague d'assaut ne passera pas. Michel. Ok. Wow. Il s'est fait ramasser. J'y vais! Américains, c'est trop! Et si, tranquillement! Ados! Ados!
trop loin pour y aller avec le lance-flamme. On va reprendre un autre trousse de soins avant de continuer plus loin. Ça au lieu du lance-flamme. Okay, on va aller chercher des munitions pour ça. Je l'aimais bien celle-là. Ouais, t'es pas dans mon équipe, toi. Bunker nettoyé 3 sur 5, c'est bon. Sousman, je peux équiper un autre trousse de soins. Appuyez sur pour trouver votre objectif. Ok. C'est pratique qu'ils me disent ça 5 minutes, mais c'est pas grave, on va vivre avec. Quelqu'un vient de m'aider! Je l'ai abattu! En provenance du sud! En avant! Avancez en file! Ok, notre fumigène a marché. On a pu éclairer le bunker. Aïello, avec moi. Daniel, toi et Sisman, nettoyez le dernier bunker. Ralliement en haut de la falaise. Ok, hop. Encore ouvrir la porte. Allez, Sisman, encore un. On va y arriver. Oh, trousse de soins. On recharge. Dans la caboche. That's it, that's all. Et c'est parti! Que je fasse quelque chose? Par passer. J'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il fallait faire. Zeusman! Oh! Zeusman! Zeusman! Casse! Je comprends vraiment pas où c'est que j'enligne mon carré. Je suis pas sûr que j'aime leur nouvelle technologie d'emmener le joystick quelque part pour peser sur un piton. À 12 heures! Par ici, mon pote! Mes jambes! Oh merde! Sors-moi d'ici, putain! Ok. On va te sortir de là, reste avec moi! Je pensais que Zeusman serait notre coéquipier pour le long de notre mission, mais faut croire qu'il marchera plus jamais, le pauvre. On doit rejoindre ce PRB!
À gauche. Merde. Aïe aïe. Je peux-tu prendre une trousse de secours, ouais? Non? Ouais? Ouais? Ok. On doit se mettre à couvert! Ok, ces gens ils bougent, il va peut-être remarcher, il va être juste blessé pour aujourd'hui. Merde! On est tiré d'affaire! Viens! C'est ça que t'appelles être tiré d'affaire! Parce qu'il est pas content. Let's go. C'est lui, je m'en veux. Pas beaucoup de bonnes sens. Accroche-toi! Baisse la tête! Tu l'as vu? Il en sort de partout! Merde! Ok. Attention! Il a son compte, on continue! Ah, je suis là! Putain! On peut descendre par là! Oh boy. Je suis là! Merde! Reste blessé! Je sais! La vache, pisse de sang! Toi d'appuyer sur la plaie. Ah, on y est presque. Venez, par ici, allez, allez. Ok, accroche-toi. Ok, on a ramené Zeusman en sécurité. Ça va te faire du bien, ce mon homme. Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces Parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai? Mais bien sûr. Je peux rejeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu ici. Non, 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 tu dois pas t'endormir. Hé! Daniel! De péter au frère. Je suis là. Aide-moi! Bordel, qu'on fasse venir un infirmier! Je m'occupe de lui! Vas-y! Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniels. Écoutez! Il y a un canon GPF dans une ferme près de la route! Il bombarde la plage! En route! On viendra te chercher! Vérifiez vos munitions et vos grenades! C'est des munitions aussi que je peux prendre. Les munitions t'attendent, soldat. Il me faut plus de munitions, chef. Tiens, soldat. Oh, nice. Okay, un petit kit de soins. Tenez-vous prêts à attaquer dès qu'on arrivera à la ferme. Allez, dépêchez-vous. Ils ciblent la plage d'obus. Ok, on va s'occuper de la mitrailleuse. Balance une grenade! Wow. Oh, t'es mon allié, excuse-moi lui. Shoot.
mission pour toi, soldat. C'est bien une histoire, là, mais... Entendu! Détruis le canon? Comment tu veux que je détruise le canon? Avec Corée. Daniel! La thermite! Ça va péter! Oh boy. Oh boy. Bon travail, Daniel! Allez les gars, rendez-vous au point de ralliement. Allez. Turner. Personne. Il me faut un bilan des pertes. Un bilan des pertes, parce que c'est perdu beaucoup de soldats. On a pris la plage. On l'a payé au prix fort. Daniels. Bordel, je pensais avoir tout vu. Il va s'en tirer. Ouais. Ils l'ont plutôt bien rafistolé. On n'aurait pas dû venir. Bah, fallait le dire avant. Hé, hey, tu m'as sauvé la vie. Je t'en dois une. Disons qu'on est quitte. On ira jusqu'au bout. À la vie? À la mort? Tête de pont établie. On bivouaquera à la deuxième haie après la crête. Bienvenue au casse-pipe. Ça change un peu du Texas, pas vrai, gamin? Alors tu prends des photos des prisonniers. Aucun de nous n'était préparé. Mais t'as vraiment assuré. Ouais. Merci. Tout ira bien, fiston. Merci. Oui, monsieur. Tout ira bien. Ah ouais, t'es du sensé, mon homme. Dans tous les sens du terme. Je sais pas quel abruti a décidé que c'était le meilleur moyen de reprendre l'Europe, mais il y a une chose qui est sûre. Il n'était pas sur la plage avec nous ce matin. Ok. On va continuer. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus long que d'habitude. Si vous avez déjà suivi de mes séries, vous savez que le premier épisode est toujours un petit peu plus long que les autres. Cela fait 7 semaines depuis le jour J. Nous quittons la Normandie pour aller plus dans les terres et sécuriser Marigny. Ainsi, nous contrôlerons les routes et nous pourrons traverser la France pour rejoindre Paris. La libération approche. Ok. Je confirme. Moi et les copains, disons qu'on s'en sort plutôt bien. Même si c'est jamais assez pour personne. Mais ça, on est habitué. Peut-être que je reviendrai à la maison à Noël avec deux jolies médailles autour du cou. Avant ça, il faut qu'on prenne Marigny. Schmeling contre la Motta. Je pense que Schmeling aurait mis la Motta KO. Impossible. Et Schmeling, c'est un nazi. Je le buterai sans hésiter. Les nazis sont servis de lui pour leur propagande, il n'a pas eu le choix. On a toujours le choix. Nietzsche disait que seulement toi, on t'a pas sonné, d'accord. Et si je te dis Louis contre Sugar Ray Robinson? Si c'est le Louis de 1938, alors Robinson gagne haut la main. Regardez un peu qui voilà. Tu devais pas revenir la semaine prochaine? Si, mais j'ai appris qu'une bande d'incapables allait prendre Marigny sans moi. Tout roule comme sur des roulettes. On pourrait même être chez nous à Noël. Bon, bah allez, montre-nous. D'accord. Pas mal, hein? Waouh. Ouais, j'ai vu pire. Content de te revoir, soldat. Moi aussi, chef. Très bien, les gars. On a un coup en or à jouer cette fois. Ce serait l'occasion de quitter la Normandie. Ce sera pas simple. Les taillis sont bien défendus et on a eu vent de plusieurs blindés allemands dans la zone. Mais si on parvient à prendre et à sécuriser Marigny, les routes sont à nous. Et si Zussmann peut revenir malgré une telle balafre, c'est que la chance doit être de notre côté. Faut toujours parier sur les vainqueurs. Pour Turner, nous protéger est une vocation. On y va! Mais la guerre aime mettre des bâtons dans les roues.
Ouais. Opération Cobra. Tout le temps, Opération Cobra. Une blessure pareille, mais 8 semaines à guérir. Je suis prêt, sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Oh, il est de bonne humeur, lui. Bien mis, hein. Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Le char démarre! Oh, il est pas en forme, pas en tout. Accrochez-vous, les gars. Ça va secouer. T'aimes toujours, non? Je pense que Pearson t'a à la bonne. Ouais, comme un lion m'aurait à la bonne. Allez, allez! Eh ben, on dirait que tu tiens le coup. Et toi, ça va? J'allais pas vous laisser vous marrer seul. Oh, pas de danger avec Pearson. Tu sais pourquoi il t'a dans le nez? La passe de Catherine. J'ai perdu mes meilleurs amis. Ouais, et lui, il a écopé d'une belle rétrogradation. Il a joué les durs à cuire, ses hommes y sont restés. Mission a foiré, un vrai massacre. Les nazis ont pas fait de quartier. On a survécu uniquement parce qu'ils ont pas bouclé l'ouest de la passe. J'ai vraiment failli y rester à cause de ce sale connard. Turner l'a pas digéré. En fait, c'est lui qui a rédigé un rapport. Et Pearson se dit que s'il fait de vous une section modèle, ça effacera tout. C'est pour ça qu'il nous étrille. Eh ouais, ça y est, tu piges. Voilà pourquoi il renoncera pas. Il tuerait pour rattraper le coup. Vous savez pourquoi je tuerais, moi? Pour de la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe, ça compte pas. Eh, on se fait un petit barbecue? Yeah. Ils avaient aucune chance. Les obsèques se feront à cercueil fermé. Eh, c'était un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça a raison. Il y en a des biens. On peut citer Kepler, Mozart... C'est bon, Einstein. Marlène Dietrich. Ah, ça me parle plus. Sans oublier les inventions comme la presse à imprimer, le microscope, les saucisses. Les saucisses. Vous entendez? Ils se dirigent vers nous. Stuka, on approche. Aïe, aïe. Merde! Allô, t'es capable? Cher ennemi! Éloignez-vous de la route! On fera une boucle! Allez! On doit protéger nos Sherman! Je vois des tirs de DCA là-bas! Prenons l'un de ces canons pour descendre ces Stuka! Que tu tous. Oh,
lâche! Ah, ok. À travers champ, on doit rejoindre nos chars! Déployez-vous! Ouais, on va détacher ça. Charger notre Fiat. Repoussez-les! Balance le fumigène! Ah, il a pas fini de recharger. Ok, faut croire que j'ai changé ma mitraillette pour l'autre. C'est pas ça pantoute que je voulais. Ça c'était quoi? Les balles. Oh, ok, j'ai rien compris, je suis revenu avec ça, c'est parfait. Ok, les canons derrière les arbres. Réussi à protéger vos chars. À une heure! Et... tu t'as abattu! Oh, ce char. Viens, n'arrive pas! Tu l'as abattu! C'est la radio, elle a l'air furax! Il poche, ne doute de rien! Il en arrive d'autres! À 10h! 10h, c'est où ça? Je lui tire, Daniel! Nos chars ne tiendront pas! Des blessés! Nos chars! Ok, ça c'était vraiment bon, là. Viens pas me dire que j'ai pas réussi à les protéger, là. À 7h! Viens, n'arrête pas! C'est pas fini! À 2h!
n'avancerai pas. C'est le dernier. Bon boulot, Daniel. Ok. Fouf. Hey, c'est Perez. Hey, Perez. Ça va? Ils ont eu mon pote Mills dans l'embuscade. Mais on leur a rendu la monnaie de leur pièce. Il y a des îlots de résistance fortifiés avec des packs 38 devant nous. Va falloir faire le ménage. Très bien. Gerson, traversez le verger avec une équipe de tir et trouvez une position de soutien. Une fois que vous aurez préparé le terrain, je mènerai l'assaut principal avec Perez. Bien compris. Daniel, Sussman, avec moi. Allez. Ok. On va prendre une... Ok, désolé pour la petite interruption. Je vais faire un autre café. Des canons allemands. Tueurs de chars. T'as pas lu le briefing? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse contre les tueurs de chars? Je me pose la même question. Oh, munitions. Et notre autre arme, c'est toujours cette gun-là. J'aimerais vraiment le switcher pour un autre mitraillette. Un P-47. Oh merde! Si seulement j'avais pris ce canon de DCA avant! Tu peux pas t'en vouloir. Ce sont des civils. C'est un crime de guerre. Sans blague. Oublie pas qu'on affronte les nazis. Par ici! On tient notre poste d'observation! Vas-y, sortez jumelles! Voilà Perez et ses gars. Ils font droit dans la gueule du loup. On doit dégommer les servants de ces packs. Feu à volonté, tout le monde! C'est deux packs en visuel! Daniel, élimine les servants! Oh, c'est une précision, Daniel! Oh, un bon snipe. De ces bestiaux! À tous les chars! En avant toutes! Ennemis localisés! Sergent, donnez-moi leur position! MG-42! Restez derrière les chars! Ok, lui il donne la position. Avancez à tous derrière les chars! Quel vache émerge des tranchées! Oh, oh, oh. J'envoie une grenade! C'est vraiment un plan de marde, son histoire de. Tireur! Visez Sony de MJ-42, côté droit. Fire.
et neutralise les canons à distance. Oh my god. J'étais sur la grenade d'un allié en plus. Daniels, prends position dans la grange et neutralise les canons à distance. Position gauche repérée. Okay, on va essayer de rester accroupi, ça va aider un peu. Je recharge. Tirer sur les bidons d'essence, ça peut aider. De qui qu'on se planque? Oups, non. Prenez un fusil à lunettes et faites taire ces canons! Qui est trop bas qu'on y joue, Daniel? Wow, 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 sorry, sorry. En formation derrière Turner, allez! Lieutenant. Un instant, voilà le commandant! Oh, big boss. Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez-en un quand même! Oui, chef. Merde. On peut prendre les jeeps, mais on va avoir besoin de l'aide des blindés. Bon, voilà le plan. Perez, Pearson te suivra avec l'escouade. Impossible. Les nouveaux ordres de Collins. On part vers l'ouest avec la 11e. C'est pas vrai. Ces gars n'ont plus beaucoup de temps. Il y a que vous. Prenez ces jeeps et en route. Allez. Très bien. On y va. La compagnie Charlie est dans la mouise, il faut qu'on aille l'aider. Allez! Oh, je dois chauffer. Nice. Comment on va, Marigny? Nice, nice. Suivez la route, c'est le prochain virage. Oh. Il y a un gros virage qui arrive, vas-y, voilà. La route, c'est au bout. Ouvre l'œil, les poches se remontent dans le coin. Donc on fait vite sur la compagnie Charlie. On arrive là-bas les premiers. Vire à gauche. Oh, yeah, c'est tight. Vire à gauche. Daniel, trois devant. Qu'est-ce que tu fous?
avancer. Attention, fais-moi une. Essuie des tirs. Besoin de renfort. On est coincé. Diamant, viens au plancher. On arrive, on arrive. Où on va? Tout droit. Oh my god. Fishman, chope le volant. Je me mets à la mitrailleuse. Ça roule. Jeep ennemi. Ok. La route est bloquée. Il y a un passage. Approche-toi. Ouvre ennemi. Dans la maison sur la droite. Droit devant. Descends-le. Oh, c'est un lance-roquettes. Débarquer là-dessus, là. Ralliement. Tout un clean-up en deux secondes, ça. Faites pas dans la sensiblerie, Murphy. Merci de nous avoir sauvés. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. C'est trop tard pour repartir. Vous avez gagné un sursis, les gars. Pardon, sergent. Ouais. La moitié de la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Faudrait pas... un meilleur endroit pour bivouaquer. Bien sûr, soldat. Réserve-nous une chambre au Ritz. Il a peur, c'est tout. Occupe-toi de tes problèmes à toi. À savoir comment tu vas tenir le coup. Vous en faites pas pour moi, sergent. Daniels, tiens-le à l'œil. L'orgueil est plus dangereux que n'importe quel ennemi. Dormez, les gars. On attaquera Marigny à la première heure. Ok. Je n'arrive pas à croire que je me bats à nouveau aux côtés de Jussman. Il tient bien le coup, après une marche forcée de plusieurs kilomètres. On pourrait penser que personne le laisserait un peu tranquille. Mais il n'en a rien fait. Ok, donc ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, on a fait Opération Cobra, puis le jour J. Dans le prochain épisode, on va faire le Bastion. Probablement que les autres épisodes vont être juste une mission de la shot. Et c'est pas mal ça que j'avais à dire. Bon. Fait que si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Laissez un like, me donnez vos commentaires, puis on se revoit dans le prochain épisode. Ciao!